J'ai besoin que tu appuies sur j'aime. Appuie sur j'aime, mon poteau, c'est super important. Ah, vite. Oh, merci. Qui veut que je le démonte là? Je prends toute la session. Allez hop hop hop. Ta gueule. Vas-y viens. Ta gueule. Quoi? Parle correct. Vas-y, parle correct. J'en ai rien branlé, mec. Hein? De pute. Ça marche pas ton micro. T'es mort, sale bâtard. J'entends pas. Mange, t'es mort. Ça marche pas ton micro. Eh, le mec, il a acheté une PS4. Après, pour le micro, il est allé chez Carrefour, quoi. Un MDR. Tu plié là. T'es bon. T'es tout petit dans ta dame. Ton micro marche pas. MDR. Ferme ta gueule. Je dis que ton micro marche pas. Il marche pas. J'ai jamais eu envie de pas marcher vu la vie. On entend rien, on entend. Je suis une victime, on entend que ça. Petite pute. Tu viens de Cancun, toi, non? Alors ta mère, t'as flanché dessus. Et la tienne, elle a oublié de t'acheter un micro, pauvre victime. Corrige-moi ça, NDR. T'es où? Enculé de ta mère. Attends, je vais lui demander. Maman! Plus je me rapproche de toi, plus tu t'en vas, on dirait que t'as peur. Bon, en fait, je tourne en rond tout à l'heure, donc faut me dire. Dans ta tête, ça tourne en rond, hein. Ouais. Tu sais pourquoi ton micro est bug? Parce que tu parles trop près, tu vois, tu souffles dedans, ça fait bugger. Je t'apprends la vie, moi, tu vois. Boum, je t'ai défoncé. Hey, tu veux que je te file de l'argent pour ton micro? Je te file un passe PS. Vas-y, t'inquiète, j'ai déjà donné 2 V à ta daronne. En tout cas, je t'ai bien défoncé. Hein. Non, mais toi, t'es pas compliqué, je suis en bagnole. Ouais, bah, quand on n'a pas de level, c'est sûr, en bagnole, on se fait défoncer. Moi, en bagnole, je me fais pas défoncer. Le mec, niveau 130. Ouais. Le mec, niveau 130, tu te crois chaud. Tu te crois chaud, mais mec, moi, je te défonce. Ouais, j'ai jamais dit que j'étais chaud, c'est toi qui est arrivé. J'arrive, tu dis tout le monde. Ton micro, vas-y. Allez, ferme ta gueule. Ta bouche. Vas-y, voir ta mère, t'as fait un flan, ça, petite de pute. Qu'est-ce que t'as avec les flancs? Tu mets ton zizi dedans ou quoi? Ta vie. Je suis contre ta mère, ce bâtard. Ça parlera pas de la tienne, ok? Mec, non, mec, il a aucune répartie. Vas-y, va voir ta mère. Mec, c'est qui a aucune répartie? C'est toi qui parles que de la mère, là. Arrête de parler de la mère. Mais même toi, c'est une grosse chienne, là, t'es venu nous parler. Parle de toi. D'abord, c'est une grosse chienne, on a venu nous parler. Ça fait des putes, mais t'inquiète, ça. Fais le toc, je vais revenir te défoncer, mec. Reviens. Vas-y, reviens. Reviens. T'as quoi, l'air de galérer, hein? C'est chaud. En même temps, il y a la mise à jour de Call of, on s'en fait un gueule. Ah ouais, d'accord. Tu veux que je te prenne à Call of, petit duel? Je joue qu'en zombie, mais. Le zombie, c'est pour ceux qui savent pas jouer avec des joueurs. On est d'accord. Je vais arriver alors. Alors là, c'est sûr, là j'ai ni peur de toi dans GTA, ni peur de toi sur Call of. Je te défonce dans tous les domaines, là, ça c'est clair. Ferme ta gueule. Je suis pas pour rien dire, toi. Ouais. Quoi, tu lags là? Je sais même pas où t'es là, tu lags. Arrête de télécharger la mise à jour Call of. De toute façon, t'as pas de level. Ta gueule, si tu fais. Mec, il parle des mères, c'est moi qui vais te tenir par la main, quoi. Je vais te chercher, mec. Allez, j'arrive. Mais c'est cool. J'arrive. Je même pas, ça me l'air. Allez, j'arrive. Tu veux un petit pitch à ton goûter? Ah, il est mort. Il est mort tout seul. Il joue pas, fils de pute, je me sens rouler un joint, ferme ta gueule. Ah ouais, tu roules quoi? Je roule ta mère, fils de pute. Tu roules un joint, NDR. Dans 10 ans, tu verras qui c'est le cassos, NDR. Vas-y, rip ta vie. Vas-y. Le mec, il fume du liquide vaisselle qu'on lui a vendu au lycée, il est trop heureux. Eh, t'es sponsorisé par Pax Citron, toi, non? Eh, déjà que t'es un peu de temps, mais genre dans 10 ans, tu seras comme ça, mec. Je vais jouer à Call of Duty, Ouais, c'est cool. Ouais, moi, ça m'arrange. Déjà que t'as l'air de jouer mal, mais alors en plus, si tu fumes un pétard et que t'es défoncé, pour moi, c'est tout bénéf. Mais en fait, tu vas passer ta vie dessus, tu vois. Si tu joues mal, t'en fait, t'as loupé ta vie, gros. T'as daronne, t'as loupé ta vie, gros. Tu vas pas payer tous les jours. Je préfère jouer à la console tous les jours que fumer des pétards tous les jours. D'accord, bah non, pas du tout, on a pas la même vision du monde alors. Ouais, bah, elle est bien triste la tienne. Oh, il part, il s'en va. Vas-y, essaie de prendre tes bagnoles, tu vas pas me chier, fils de pute. Oh, franchement, ta co, elle est dégueulasse, c'est horrible. On peut pas. Allez, voir ta mère, t'as fait un flan. Allez, vas-y, je m'en vais, allez, salut. Sale fils de pute, rentre chez ta mère. Allez, sale bâtard. Ouais. Allez, casse-toi, tu pues. Allez, casse-toi. Allez, je m'en vais, c'est toi qui te casses là, regarde, tu pars. Qui lâche, va. C'est moi qui pars de la session. Allez, casse-toi, rentre chez ta mère là. Avec ta puceau, là. Avec ma puceau, j'aimerais bien savoir quel âge t'as. Mon petit gars, j'aimerais bien savoir quel âge t'as. Vas-y, ferme ta gueule avec ta voix de Gaëtan. Vas-y, avec ta voix de Gaëtan, vas-y. Vas-y. Le mec s'appelle Vincent et il est à la campagne par exemple. Vas-y, allez à la prochaine. Vas-y. Allez, t'as un bureau, t'es avec moi. C'est toi le blaireau, le mec, il habite en Mayenne, il parle des vaches, MDR. Y'a que des vaches là-bas. J'ai du porc, mec, depuis. Ah ouais, et son 53, c'est quoi? C'est ton âge mental? Ça m'étonnerait, mec. Ah, parce qu'avant, j'habite à Mayenne, parce que j'ai déménagé, mais un fils de pute. Ah, c'est quoi ta voix? Fais quelque chose, gros. T'es mec, tu passes vraiment ta vie sur la play. Et tu fais quoi, toi? Demain, tu te lèves à quelle heure? Tu fais quoi? Je peux te faire. Ah, vas-y, dis-moi ce que tu fais alors. Ouais, je suis à Gobelin, j'ai une école de graphisme, la meilleure école de France, c'est depuis. Vas-y, va pas avec moi, t'as vu, tu l'as loupé, mais qu'est-ce que tu parles avec moi, t'as quitté votre cassouse. Mec, tu connais rien à ma vie, donc tu parles de ma vie, NDR. Bah, rien que ta voix, mais tu parles rien faire de ta vie, gros. Tu pourras jamais percer.
Tu seras surpris. Un gros beauf, mec, super. Tu parles depuis 5 minutes, ça se voit que t'es un gros beauf. Vas-y, viens, fais un duel. Mais t'es où, mec, un duel, qu'est-ce que j'en ai à voir, t'es duel, mec. Vas-y, prends ton. Tu passes ta vie sur la plage, allez, casse-toi. Tu fais un duel, viens chez moi, viens. Tu fais quoi en graphisme? Tu dessines des bisounours, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vas-y. Le mec, il s'est pris pour Bill Gates, le mec. Détends ton string, claque ton string. Claque ton string. La meilleure école de France, il m'a dit. MDR. Je fais des recherches, tu verras. C'est de l'héro. Ouais, bah, je vais faire des recherches et je vais venir te parler en face. On va voir ce que tu dis. Ouais. Bah, vas-y, viens. Là, je suis d'accord. On va faire un duel. Ouais, vas-y. Je te mets une balle dans la tête. Allez, tu me fais une balle. Viens, dans ta meilleure école. Je vais venir là. Vas-y. Viens, Paris, vas-y, le grand. Vas-y, t'inquiète. Allez, viens, t'inquiète. T'inquiète même pas. Allez, mais moi, je parle avec toi, moi. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire le tour du quartier. Vas-y, nique ta mère, mec. C'est qui qui arrive dans la session? T'as dit, vas-y, bute tout le monde. Vas-y, ferme ta gueule. T'es pas cohérent avec ce que tu dis. Toi, t'es cohérent, toi. Vas-y, je suis dans la meilleure école de France. Nique ta mère. Ah, d'accord. Ah, bah, dis donc. Ah, oui, j'ai envie d'y aller là. D'un coup, j'ai. Mec, la voix que tu viens de faire, c'est la tienne. Alors, arrête, mec. Le mec, il passe sa vie sur la play. Ouais, c'est ça. Tu sais pourquoi? Parce que je suis rentier, en fait. Tu vois, il y a des gens de ma famille qui travaillent dans une banque. J'ai pas besoin de travailler, moi. J'en bats les couilles. Je passe ma vie sur la play avec mes potes et tout. Puis là, je vais te démonter, là. J'en bats les couilles. Allez, de ta vie, rajoute ta jalousie. Qu'est-ce que tu fais? Il est jaloux, le mec. Allez, vas-y. Je suis dans mon château, mec. Qu'est-ce que tu fais? Je suis dans mon château. Je suis au bord de mer. La reine d'Angleterre, là. Elle est en train de me faire des petits chèques, là. Vas-y, je suis bien, moi. Mec, ta femme chie ou quoi? Parce que tu fuis. Ah, d'accord, je pensais que tu prenais les duels et tout. Ah, je sais pas, c'était avec ta montée de PD, je pensais que t'avais chier. D'un autre côté, je t'ai déjà défoncé une fois, moi je suis tranquille. Ah, le rire de gay que t'as, mec. Ah la vache. Eh, vaut mieux avoir un rire de gay que avoir ta vie, mec. Hein. Franchement, je préfère un petit rire de gay. C'est qui dit ça, gros. Tu devais pas partir, sinon? Non, moi je pars pas, moi. Je vais m'ajouter là, j'en ai rien à branler, tu sais. Moi, t'as Honda, si je sais que ça. Mec, fais quelque chose, s'il te plaît, mec. Ta voix, c'est trop. MDR. Ta voix de Squeezie, mec. Gros pichot sur son PC, son play tous les jours. Je suis le meilleur de France, vas-y. Oh la vache, fais quelque chose que tu es. Oh le mec, je savais que t'étais campagnard dans l'âme, mais de là à me faire traverser toute la campagne de Los Santos, quand même, hein. Qu'est-ce que tu fais dans ce hangar? T'es en train de dessiner ou quoi? Tu fais des bannières YouTube ou quoi? Arrête de parler, mec. Il m'éclate. C'est le genre de mec qui passe sa vie sur la play, qui a pas de meuf, qui est trop moche, ça sonne à rien. Ah ouais, non, mais je sais, c'est bon, pas besoin de me le rappeler, vas-y. Tu me blesses, vas-y, tu me fais du mal. Il vient de me buter, alors je joue pas si t'es pute. Vas-y, je t'ai pas buté là, j'attends que tu sortes de ta campagne là. Je suis dans le champ, mec, je suis dans un champ à côté d'un champ. Ah ouais, bon, T'as raison, je t'ai buté. Ferme ta bouche. Je joue même pas, mais. Ça t'apprendra à rouler des pétards. Bah ouais, mais tu passes ton temps à rouler des pétards, donc c'est sûr, la manette, on peut pas la prendre en main. Ferme ta gueule. MDR. Bah c'est clair. Je n'ai rien à branler, mec. Je n'ai rien à foutre. Je suis un petit gros, je joue jamais avec GTA de merde. Ah bah j'ai bien vu, hein. À Call of, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Attends, mec, tu me butes quand je joue pas, donc c'est pas très compliqué. Ouais, bah alors je fais ce que je veux. Tiens, bouffe. Je suis dans la meilleure école de PGM de France, moi. Chacun son délire, Rip ta vie. De vendage de cul. Ouais, c'est ça, ouais. Comme ta mère, tout a pris cette grosse chienne. Et toi, en attendant, ta mère, c'est elle qui te paye tes études. Alors, vas-y, je vais pas parler. Vas-y, rip ta vie. Oh là. Allez, boum, se défense. Vas-y, je me mets en mode passif le temps que je finisse. J'arrive. Bah, mec, il me bute, je joue pas, ça te blaire. Ouais, c'est ça, vas-y. Oh, le mode passif, ok. Ah, mais mec. Allez. C'est quoi ta voix, cassou? Le mode passif, allez. Bah, je joue pas, mec, t'auras joué tout seul, c'est cassou. Bah, tu joues pas, bah, j'ai bien vu que tu jouais pas, hein, Ender. Oh, merde. Mais c'est quoi ce cassou, ça, mais virez-le. Le mode passif. Il doit te faire bannir, toi. Ouais, ouais, c'est ça, je vais me faire bannir, ouais. Mode passif, Ender. Le mec, il s'auto-bannit, tu sais. Non, mais moi, je veux pas jouer, mais mec, mais éteins ta console. Tu vois bien que ça sert à rien. Tu t'es connecté pour rien. Ça sert ferme à rien. Ta gueule. Éteins ta console. Vas-y. Éteins ta console. Ouais, c'est ça. Éteins ta console.
le mec, il m'a tué. Oh, le mec, il m'a tué. Oh, le mec, t'es un cas. C'est quoi ta voix, mec? T'es trop sexuel, t'es quoi? Je t'attends en passif, on sera les frères passifs comme ça. On peut pas frère, c'est le bleu. Donc t'es mort. Ok mec, je fais des vidéos sur YouTube, donc bon, tu t'es fait piéger. C'est cool. T'es pour rire, mec, j'espère que tu t'es pas vexé. Ouais, si tu vas passer pour un blanc en ligne. Bah vas-y, va sur ma chaîne Jean-Kevin. C'est quoi ton nom, mon frère? Vas-y, je regarde même pas ta chaîne. T'as 10 abonnés, je suis sûr. Avec ta voix, tu peux pas faire plus de 25 abonnés, mec. Donc tu viens de dire Squeezie, la percée, tu peux gérer. Selon même mon pseudo, t'inquiète même pas. J'ai beaucoup plus d'abonnés que toi, je pense. Oh, t'inquiète, vas-y. Mais, on va rigoler, mais. Alors là, mec, t'inquiète pas. Rien que j'ai des contacts, gros. Ah ouais, attendez. Tu peux regarder, mec. Regarde, gros, Gobelin, gros. C'est ceux qui ont fait les mignons et tout. T'inquiète, on peut faire plein de trucs, gros. T'inquiète pas. Gobelin, c'est ceux qui ont créé les mignons. Des gobelins, c'est un mec de ma classe qui a créé moi moche et méchant, mec. Regarde, t'inquiète, les mignons et tout, c'est nous qui ont créé. C'est des gars sur un gars de ma classe qui a créé ça, tu vois. Il y a plein de trucs, mec. Tu regardes, c'est le meilleur école de France. Oh, regarde. Mais, un truc, on va rigoler. T'as mis un truc. Tu vas voir. Je vais mettre ta mère dedans en montage, tu vas voir. Et on va rigoler. Vas-y, mais. T'inquiète, tu vas voir. Mais mec, je te dis que c'est une blague et tu t'enflammes de plus en plus. C'est quoi le projet? Non, mais mec, on peut rigoler si tu joues à ça, tu sais, on peut rigoler 5 minutes. C'est un gros blaireau, vas-y. Ah, bah tu le prends mal. Je vais t'afficher, tu vas voir. C'est qui a rentré dans la session qui a dit, ouais, je pète tout le monde, vas-y, va voir ta mère. Mais tu sais pas ce que tu dis. Est-ce que je t'ai insulté une fois? Vas-y, t'es un kikou, mec, vas-y, casse-toi. Je t'ai insulté une fois, je t'ai insulté. Je m'en bats les couilles de pute. Est-ce que je t'ai insulté une seule fois? Je t'ai insulté, tu la baisses ta grand-mère à chier de tes morts. Voilà, c'est bien, voilà. Ouais, mec, je sais même pas quoi dire. Allez, vas-y. Mais moi, je t'insulte pas. Tu peux la mettre ta vidéo? Ouais, mais je veux la mettre, de toute façon, tu crois quoi, Ender? T'inquiète pas, moi je vais commenter, je vais faire des petites vidéos d'art aussi. Je vais mettre dans le lien, je vais mettre ta mère en vidéo, mets-la. Mais moi, je suis gentil avec toi, mec. Je te propose de cacher ton pseudo. Vas-y, pour pas que tu te fasses afficher, je te propose de cacher ton pseudo. Toi, tu continues d'insulter. Toi, tu continues d'insulter. Moi, je veux le voir, mon pseudo. Je veux que tu le mettes, mon pseudo, parce que je veux que les gens te rappellent. Je veux que les gens te rappellent de moi, t'inquiète, tu vas voir. Ils se rappelleront pas de toi, mec. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai plus de 350 vidéos de mecs qui rage sur ma chaîne. Tu seras fondu dans la masse. T'inquiète, mais tu sais, mec, rien que sur mon compte YouTube, j'ai plus d'abonnés que toi. Vas-y, mets-la, t'inquiète, on va jouer. Mets-la. Ah bah vas-y, je suis curieux de savoir quel youtubeur connu insulte les mères. Et regarde, je vais commenter tout de suite et je vais mettre une petite vidéo en lien dans mon commentaire. Je vais mettre une petite vidéo. Vas-y, puis comme ça, tu pourras dire à ta communauté que t'insultes les mères et tout. Je peux même changer ta voix si tu veux pas contre quoi. Enfin, si t'as peur qu'on te reconnaisse, moi je change ta voix. Notre rôle. Mais toi, arrête juste d'insulter. Là, je te dis que c'est une blague. Tu préfères que je rage quitte et que je me foute de ta gueule, que je mette ton pseudo et que tu reçoives 4000 messages avec des gens qui se foutent de ta gueule et qui insultent ta mère dans le message. Tu préfères ça? Ouais.